Alors, ils sont multiples et Seftin, dans son ensemble, propose des solutions pour y répondre. Tout d'abord, la box, afin de disposer d'un moyen de restitution pour pouvoir faire des briefings en toute objectivité. Des solutions d'entraînement basées sur la réalité virtuelle et, dans un futur très proche, un service d'accompagnement avec des coachs pour accompagner des pilotes et des futurs pilotes dans de nouvelles pratiques. L'efficacité a toujours été un des éléments clés de l'aviation. Aujourd'hui, on est en train de passer en aviation générale d'avions qui consomment 20 à 25 litres par heure à des avions qui consomment de l'ordre de 10 à 12 litres par heure. Et demain, c'est bien sûr l'avion au moteur hydrogène ou l'avion à moteur électrique. De plus, n'oublions pas que la majorité des plateformes d'aviation générale en France sont constituées d'une piste en herbe et donc il n'a pas nécessité d'utiliser de précieux matériaux pour les construire ou pour les entretenir. Aujourd'hui en France, nous avons la chance d'avoir tout un panel de constructeurs aéronautiques. Ces constructeurs doivent être accompagnés financièrement avec cette crise, mais aussi pour l'entraînement et la sécurité des vols. Avec Seftin, nous pouvons agir sur l'entraînement et la sécurité des vols en apportant à ces nouveaux avions de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pour s'entraîner, voler en toute sécurité. L'aviation a été extrêmement utile pendant cette crise, nous nous rendons compte. Aujourd'hui, il a permis d'aller chercher des ressortissants, d'aller acheter des masques à l'étranger, de transporter des malades au sein de notre pays. L'aviation a joué un rôle crucial dans cette crise et continuera à jouer un rôle crucial dans l'avenir de notre pays.